D'abord, Yazarden, du tissu tout le temps, du tiens le pour le Saint-Émilion, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, tu as l'accent liégeois, comme personne ne l'a plus, lui qui est complètement lui, qu'on appelle papa, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, et qu'on retrouve matin, en poncé qui roupille. Fier de ses facéties et de ses grosses blagues, puis tu balbuties, tu as l'œil qui divague. Pour vous dire, monsieur, qu'avec ce type-là, pense pas, monsieur, pense pas. On se marre. Puis, il y a Fluke, Moreau, le vieux grincheux, avec sa petite moustache, ça lui donne un air vache. Puis qui donnerait sa chemise à des Arabes heureux. Et puis qui dogmatise au couloir de l'empereur. C'est le tonton flingueur. Que c'est pas fini. Qui va tout arranger. Qui va nous arranger. Qui sait expliquer tout au plus con d'entre vous. Qui aime bien avoir l'air. Mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas faire la morale quand PS est dans le trou. Vous dire, monsieur, avec ce type-là, on ne rit pas, monsieur, on ne rit pas. On zappe. Et puis, il y a les autres. À part qu'il ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Son ami Lucien, fidèle parmi tant d'autres, qui de sa petite voix et sa belle gueule d'apôtre, de petites salades qui rendent encore hélas ma soupe un peu plus froide. Ça fait des grands cris. Puis, la Lorette n'en finit pas de sourire, mais un de ses sourires qui ne vous l'envoie pas dire, qui a l'air d'une madone de Dieu et qui est une dure à cuire. Faut vous dire, monsieur, avec cette femme-là, on ne rit pas, monsieur. On ne rit pas. On stagne. Et puis, il y a Elio, lui qui, pour son malheur, envoie toutes les douleurs avec ses socialos. Même qu'il se dise souvent que c'est bien regrettable que le PS de maintenant ne soit plus fréquentable, et lui qui veut tellement le bonheur des gens, que même si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, et que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça, que depuis Charleroi, il a juste été bon à faire du cinéma, il a jamais fait ça, ou alors il y a longtemps, que c'est oublié, on s'en souvient plus. Dire, monsieur, qu'avec ces gens-là, on ne vit plus, monsieur. On ne vit plus, monsieur. On survit.